Bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire un tuto pour incurver une citrouille, enfin un petit marron. Alors tout d'abord, on va commencer à écrire ou dessiner ce qu'on veut enlever de la matière. Alors on va commencer par découper le haut, comme pour faire un petit chapeau au petit marron. Alors, il faut bien penser à faire attention avec le couteau, de ne pas se blesser. Voilà, on enlève le chapeau du potimarron. Comme vous pouvez le voir, il y a des graines et on va aller enlever tout ça et on va aller venir gratter l'intérieur du petit marron. Enlever ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'étape la plus longue. Alors, vous pouvez vous aider d'une cuillère à soupe ou d'un couteau. Maintenant que vous avez tout enlevé, on va venir enlever ici les lettres. Alors, toujours faire attention à ne pas se couper. Personnellement, vu que c'était un petit marron et que c'était petit, les lettres étaient petites, alors c'est normal qu'il y ait plus de défauts, que les lettres se cassent ou même que, voilà, vous pouvez voir que la citrouille part, voilà, là c'est l'aise. Je sais plus ce qu'elle était en train de chanter, mais ça devait être pas quelque chose de ouf. Oui, donc, vu que les lettres sont petites, il y a beaucoup de défauts. Mais voilà le résultat final. On va mettre le petit chapeau, le chapal. Tada! Et ensuite, on va pouvoir mettre la bougie et voir ce que ça donne dans la nuit. Vous allez voir que les défauts, sont moins apparents.